Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, j'aurais 5 questions à l'aune de cette séance. En France, on n'a jamais réduit le déficit public de plus de 0,5 points quand la croissance était inférieure à 2 points. Donc comment vous envisagez de faire? Est-ce que vous avez une méthode particulière? Parce que pour l'heure, sur la gestion du déficit, vous ne nous avez pas montré une gestion exceptionnelle. Donc je souhaiterais que vous puissiez nous expliquer comment vous envisagez de tenir cet objectif. Le deuxième point porte sur la recherche. Nous avions déjà un retard par rapport à la loi de programmation de 1 milliard. Vous faites une coupe de 900 millions d'euros. Comment, dites-nous, Monsieur le Ministre, comment le CNRS, qui va avoir plus de 387 millions d'euros de coupe sur un budget total de 3,7 milliards, c'est-à-dire une coupe de 10% sur son budget en 2024, comment peut-il faire pour piloter les missions de recherche qui sont quand même l'avenir de la France? Troisième question, est-ce que vous nous confirmez que vous signerez bien un arrêté qui empêche la cession de Biogarant aux Indiens, aux acheteurs indiens ou à tout acheteur non européen, puisque ça peut avoir un impact sur les finances publiques? Quatrième question, est-ce que sur la gestion de la dette qui représente un coût de plus de 50 milliards d'euros par an, donc nous avons vu que vous nous avez nommé un nouveau directeur au mois d'octobre dernier, quelle est la lettre de mission que vous lui avez donnée? Comment le pilotage de ce coût de la dette est fait, et notamment sur les émissions indexées sur l'inflation? Avec mon collègue Philippe Brun, on avait dénoncé le fait que ces émissions sur l'inflation, elles représentaient 10% du stock de dette, mais 30% du coût de la dette. Et enfin, Monsieur le Ministre, une question, il faudrait répondre par oui ou par non. Est-ce que, oui ou non, vous envisagez de mettre la BPI à contribution de vos économies? La réponse est soit oui, soit non. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Valérie Rabault. Alors je vais essayer de répondre à toutes ces questions, ou presque. D'abord, réduire le déficit public, oui c'est possible. Vous dites, vous nous dites votre performance en la matière n'est pas terrible, c'est pas vrai. Regardez ce qui s'est passé en 2018-2019, nous avons ramené le déficit public sous les 3% et je ne crois pas que c'était le cas sous le mandat précédent, le premier mandat d'Emmanuel Macron. Donc permettez-moi de vous dire que nous avons réussi à sortir de la procédure pour déficit excessif, à réduire le déficit public et malheureusement, nous avons été frappés par de nombreuses crises. Et là-dessus, nous sommes retrouvés sur la nécessité de protection. Ne commençons pas à regretter aujourd'hui la protection que nous avons apportée aux Français. Et comment on le fait? D'abord en réagissant immédiatement. Dès cette année, on fait 20 milliards d'euros d'efforts, on l'a dit, avec un décret d'annulation et 10 milliards d'efforts supplémentaires. Et nous préparons le projet de loi de finances pour 2025. Des revues de dépenses sont en cours. Et je souhaite d'ailleurs pouvoir discuter avec les groupes qui le souhaitent de leurs propositions d'économie. Et j'espère que le groupe socialiste arrivera aussi avec des propositions d'économie pour nous aider à réduire le déficit public. S'agissant de la recherche, je vous confirme que la loi de programmation sur la recherche est bien préservée, notamment dans les recrutements qui sont prévus. S'agissant de l'agence française, l'agence France Trésor, pardon, sur les émissions, sur l'inflation, il faut toujours regarder sur le temps long si c'est bénéfique ou pas. Et c'est comme ça qu'on regarde le bénéfice. Et vous savez qu'il y a une appétence des investisseurs pour une grande diversification de nos produits, ce qui permet la liquidité de notre dette et ce qui permet d'émettre à un taux qui est très compétitif. Et enfin, je vous répondrai sur la BPI. Oui, les opérateurs de l'État sont mis à contribution et la BPI est mise à contribution comme l'ensemble des opérateurs de l'État dans cet effort de redressement des finances publiques. Et je ne peux pas vous répondre sur Biogarant sur le siège, je dirais, puisque je n'ai pas l'information. Je vous remercie. La parole est à M. Petit.